C'est une première en Île-de-France, des bornes interactives à la sortie d'une gare. Ça se passe à Alfortville. Ce dispositif permet de réaliser des démarches administratives entre deux trains. Marion David et Mustapha Tafnil. Donc si je reviens demain matin avec tous les documents à 7h30, il y aura quelqu'un. Ça y ressemble, mais ce guichet n'est pas celui d'une mairie. Ce kiosque, premier du genre en Île-de-France, vient d'être installé devant la gare RER d'Alfortville. Il permet aux habitants de faire toutes sortes de procédures administratives grâce à ces bornes interactives. J'ai demandé pour, par exemple, les préinscriptions pour faire ma démarche, pour renouveler ma carte d'identité. Apparemment, je peux tout faire ici. Juste les démarches, hein, pas pour faire la carte d'identité. Deux agents sont présents en permanence pour accompagner les usagers. On peut demander son quotient familial ou une place en crèche, mais aussi gérer ses allocations, ses impôts, ou même prendre un rendez-vous chez le docteur. L'objectif, offrir de nouvelles solutions à des populations en difficulté face à l'administration. On a mis en place un système de tiers de transcription pour les sourds et malentendants, mais aussi pour les gens qui parlent des langues étrangères qu'on ne maîtrise pas forcément à l'accueil, et qui permettent donc de mettre en relation les conseillers usagers qui vont travailler dans l'équipement avec un tiers qui va leur traduire ou qui va leur expliquer la demande de l'usager. Posté dans un lieu bien desservi de la ville, le kiosque entre dans une stratégie du maire, moderniser les services publics. Il est essentiel aujourd'hui que l'administration soit décentralisée au bénéfice des utilisateurs que sont les Alfortvillais. Aujourd'hui, vous avez 12 000 passages ici sur la gare. Il est très important que les Alfortvillais puissent faire leurs opérations administratives qui sont indues. Réduire l'isolement et les distances par la dématérialisation, le concept existe déjà depuis plusieurs années en région.